Le film sur le Macaï qu'on va voir dimanche après-midi, c'est une magnifique balade de 52 minutes au cœur d'un labyrinthe naturel, un des plus beaux endroits de la planète à mon avis. Visuellement, c'est splendide, je pense que ça, personne n'en doutera. C'est une promenade avec des jeunes scientifiques à la découverte de ce monde-là, qui est un monde qui est encore pas mal à explorer, qui l'a déjà été heureusement un petit peu, mais voilà, où on va découvrir des baobabs nouveaux, tout un tas de jolies choses. C'est surtout un hymne, je dirais, à la biodiversité et à la recherche de terrain. Parce que moi j'aime bien ça et j'aime bien aussi que ce soit avec des jeunes. Et là c'est beaucoup de jeunes, c'est quasiment que des jeunes qui viennent transmettre leur passion pour la nature et pour la recherche scientifique. C'est pas scientifique comme film, c'est de la vulgarisation scientifique. Voilà, on vient apporter un peu des notions scientifiques autour de belles images et d'une belle histoire au cœur d'un massif perdu.